Donc tout ce que je viens de te dire, en gros, c'est juste des canaux qui te donnent de la connaissance. C'est juste ça, en fait. C'est aussi simple que ça. Choisis le bon canal dont tu as besoin à chaque étape. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. On est ensemble les gars, ok? Mais à un moment donné, si vous ne me donnez pas un peu de force, on fait comment? On va pas s'en sortir. Hein. L'idée là, c'est qu'il faut que la chaîne fasse 1 million d'abonnés. Oui, c'est les débuts, mais si tu ne mets pas ta part à l'édifice, on va pas y arriver. Donc, moi je m'appelle Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne, c'est pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement. Moi, j'ai grandi à Évry dans le 91, j'ai redoublé mon BEP électrotechnique. Et pourtant, j'ai réussi à être libre géographiquement en créant mon business en ligne à travers ma passion qui est le saxophone. Donc, à un moment donné, les gars, j'ai réussi à faire 2000 euros par mois grâce à votre formation en ligne d'apprentissage sur le saxophone. Ça, les gars, vous pouvez le faire sur toutes les thématiques, hein, sur n'importe quoi. De toute façon, j'ai des idées business rentables que je te donne dans la formation offerte. Tu as juste à cliquer sur un lien dans les commentaires épinglés. Donc, du coup, moi, j'accompagne les déterminés à travers mon accompagnement successful en ligne 2.0. Je te coach pendant 6 mois où je t'accompagne du coup à créer ton business en ligne, que tu sois coach, expert, consultant ou que tu aies une passion dans n'importe quoi. D'accord, en général, ça se monétise sans problème. Si j'ai réussi à faire pour le saxophone, tu peux le faire sur tout. Donc maintenant, passons directement au sujet de la vidéo. Quelle est la différence entre les livres, les séminaires, les masterminds, les formations en ligne, les coachings? Je n'avais pas noté ceux-là, tiens. L'eau, c'est la santé, mon gars. Non, ce n'est pas du rhum. Ça n'a rien à voir avec le rhum. Je sais que tu crois que ça fait du rhum. Nous, mon gars, on fait attention à ce que l'on boit, mon gars. Donc, on reste healthy. Hein, en anglais, ça veut dire, voilà. Tu connais, je suis en Floride, je commence à sortir des petits mots en anglais. Non, on reste toujours dans la santé. Donc, petite vidéo, les gars, pour un peu éclaircir un petit peu ce qui pourrait être dans la pénombre et donner un petit peu aussi mon avis par rapport à ça. Quelle est la différence entre les livres et les formations en ligne? On en parle ou pas? Parce que bon, je vois encore des gens qui sont dans les ténèbres, là, qui parlent d'arnaque et tout. Ça, c'est le mot favori des gens. Je sais pas c'est quoi leur délire. Ils se font arnaquer toute leur vie. Ils ont une vie, leur vie, c'est une arnaque. Mais par contre, ils voient des arnaques partout. Donc du coup, quelle est la différence entre les livres et les formations en ligne? Alors, évidemment, moi, je vends des formations en ligne. Donc, je prêche pour ma paroisse. Mais tu verras bien que... D'ailleurs, si jamais tu me suis un petit peu, tu sais que moi, je suis un gars transparent et on n'est pas là, c'est que du réel. On ne dit pas des conneries et on assume, d'accord? On est transparent, moi, je ne suis pas de trucs bling bling. Comme tu me vois là, et c'est la plupart de ces gens, tu peux demander à mes amis, enfin, tu ne les connais pas, donc tu ne pourras pas. Comme je te parle là, je suis le même en dehors. Je ne suis pas différent, ok? Donc, on va en parler, on va parler vrai par rapport à ça. Les livres. Donc, moi, je vais te dire dans quel cadre je lis des livres, ok? Pour moi, des livres et des formations en ligne, ça n'a rien à voir. Les gens qui te disent les formations en ligne, c'est un concentré de livres, ils t'ont menti. En tout cas, moi, ce n'est pas ce genre de formation en ligne que je vends, en tout cas. Ok? Et pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Les livres, et j'en ai lu des centaines des livres, j'en ai tout le temps, c'est super important. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en lire, ok? La personne qui écrit son livre, elle est obligée d'écrire pour que le livre soit intemporel le plus longtemps possible. Ça veut dire que quand une personne va écrire son livre, son objectif, c'est que même si tu le lis, elle l'écrit en 2022, eh ben, il faut que son livre, en tout cas sur son optique, il faut que le livre, eh ben, tu puisses le lire dans, je ne sais pas moi, dans 5 ans, dans 10 ans, et qu'il puisse toujours être d'actualité. Okay? Donc, quand tu vas lire un livre, les gens ne vont jamais te donner des stratégies. Par exemple, s'il l'écrit en 2020, les stratégies qui sont en 2020 qui fonctionnent, ils ne vont pas écrire la stratégie de 2020 et te dire étape par étape ce que tu dois mettre en place. Tu vois, imaginons qu'on parle de business en ligne, par exemple. La personne qui va t'écrire un livre sur le business en ligne, eh ben, va te donner les grandes lignes, d'accord? Parce que de comment créer son business en ligne, elle sait que ce sera un truc intemporel, mais elle ne va jamais rentrer dans les détails exactement. Comment tu fais pour pouvoir créer ta page de capture et comment après relier ton autorépondeur, machin. Elle ne va jamais t'expliquer tout ça. Déjà, ça va être compliqué en livre, mais c'est surtout que même si elle pouvait réussir à le faire, à l'expliquer en livre, ben, c'est un truc que dans un an, c'est déjà périmé. Donc, je pense que les gens, ils ont du mal, en fait, à comprendre à quoi sert une formation en ligne. Okay? Donc, ça, c'est le livre. Okay? Donc, le livre, pour moi, de mon expérience, c'est des choses qui me permettent d'avoir un switch au niveau de mon état d'esprit. Dans les débuts, surtout dans les débuts, quand j'ai commencé à lire, quand j'ai lu Père riche, Père pauvre, ça m'a mis une gifle. Okay? Je me suis dit, mais en fait, tout le monde part en sucette. En fait. J'ai dit, tout le monde fait n'importe quoi. Tu sais, quand tu lis Père riche, Père pauvre, tu t'ouvres les yeux, mais tu te dis, mais en fait, c'est tellement logique ce qu'il dit. Tu te dis, mais tout le monde autour fait n'importe quoi. En fait. Tout le monde, t'as tes darons, tout le monde, tous les amis, tout le monde.
Tout le monde fait n'importe quoi et on calcule même pas. Donc là, tu as l'impression de... Donc c'est vraiment une gifle en fait de réalisme en fait. C'est un truc, tu fais waouh, c'est un truc de ouf, c'est un truc de malade, tu vois. Mais en gros, lui, il te dit bah, achète des actifs. Mais il te dit pas comment acheter des actifs. Achète des actifs, évite des passifs et c'est pas compliqué. Tu vois, je veux dire, il va pas te dire bon, bah alors maintenant, acheter des actifs, voilà comment on fait pour acheter un bien immobilier. Il te dit pas ça. Et tous les livres que j'ai lus, ça a toujours été pareil. C'est des choses qui te permettent d'avoir une vision, te permettent de garder motivé, permettent d'avoir les grandes lignes aussi. C'est super important de comment ils pensent, comment si jamais tu lis des biographies par exemple, comment les gars pensent à leur niveau, etc. Tu vois. Et forcément, les livres, c'est important pour ça. C'est important que tu lises des livres pour vraiment avoir à chaque fois des switches. Tu vois. Je me rappelle, j'avais lu un livre qui était sur le marketing. Ça m'avait fait un truc parce que finalement ça m'avait switché au niveau du marketing. J'avais vraiment, je voyais le marketing d'une manière différente. Et si j'avais pas lu ce livre là, ben je m'en serais pas rendu compte, tu vois. Enfin, je serais toujours dans le même mindset. C'est comme si tu évolues tout le temps en fait, tu vois. Tu apprends toujours des nouvelles choses, des nouvelles manières de penser en fait, tu vois. C'est vraiment des grandes lignes qui te disent oh, ok, c'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup, une fois que tu as compris l'état d'esprit qu'il faut avoir, où tu as un switch dans ta tête parce que tu comprends comment faire, on va reprendre l'exemple de père riche, père pauvre par exemple. Là, à ce moment-là, le gars dit achète des actifs. Tu te dis ok, eh ben, comment on fait? Parce que tu as compris maintenant qu'il faut acheter des actifs. Et tu te dis ben, comment on fait? Ben, tu te dis je vais acheter. Ben, le comment, c'est quoi? Ben, c'est la formation en ligne. C'est aussi simple que ça. Donc j'ai bien compris qu'à un moment donné, le business en ligne, c'était important. Je savais que, je me suis dit, Internet, c'est l'avenir, c'est sûr, etc., etc. Et je me suis dit, ok, j'ai compris que Internet, c'était l'avenir. Comment je fais pour pouvoir profiter de cette opportunité? Comment je fais pour pouvoir créer mon business en ligne? Ben, à ce moment-là, ben, le comment, ben, c'est en achetant une formation en ligne. Okay? Donc le problème, c'est que les gens, parce que j'ai entendu des gens qui parlent de formations qui sont surcotées ou je ne sais pas quoi, moi, je ne comprends pas. En fait, le comment, on t'explique comment créer ton business en ligne. Okay? Une formation, c'est ça. Et ça, on va mettre les choses au clair par rapport aux ventes de formations en ligne. Les formations en ligne, ce n'est pas, on ne vend pas du rêve. En tout cas, moi, je vais parler pour moi. Okay? Moi, je ne te vends pas du rêve. Okay? Je ne te vends pas du rêve. Je ne te dis pas qu'en achetant ma formation en ligne, tu vas devenir riche. Ce n'est pas le but de la formation en ligne de devenir riche. Moi, je t'explique, je te donne les outils, je te donne le comment pour que tu puisses créer ton business en ligne. Si jamais tu deviens riche derrière, c'est parce qu'après, derrière, ton mindset, il est puissant et parce que tu as des objectifs élevés et que tu es persévérant, et etc. Parce qu'avec les outils que je te donne, oui, évidemment que tu peux devenir millionnaire avec les outils que je te donne. Bien sûr. Est-ce que ce sera facile? Ben non. Mais à la base, quand tu achètes une formation en ligne, c'est pour avoir le comment. Ça veut dire que tu sais déjà ce que tu veux faire et tu veux le comment. Okay? Donc, si jamais, par exemple, tu sais que tu veux créer ton business en ligne, okay, vendre des formations en ligne, vendre du coaching, avoir plus de clients, par exemple, ben, tu viens chez moi et je te donne exactement comment faire parce que je l'ai déjà fait, parce que j'ai déjà eu des résultats, parce que mes clients ont déjà eu des résultats. Et donc, tu n'auras plus qu'à appliquer et tu auras ton business en ligne et tu vas pouvoir développer ton business en ligne. Tu vois, c'est juste en fait, la formation en ligne, c'est le comment. Et pour te dire que les livres ne peuvent pas rivaliser avec la formation en ligne, mais tu vois que les deux vont ensemble parce que le livre, ça permet vraiment d'avoir l'état d'esprit et comprendre que bah, du coup, c'est important de passer à l'action. La formation en ligne, c'est le comment. Mais pour te dire, moi, la formation que j'ai fait, les stratégies que j'utilisais il y a un an, eh ben, ne fonctionnent plus ou en tout cas sont moins bonnes que ce qui fonctionne aujourd'hui. Donc, c'est pour te dire. Ça veut dire que là, il faut mettre à jour. Donc, moi, mes coachings, je les remets à jour régulièrement. Ça veut dire que en 7, 8 mois, 9 mois, les choses peuvent changer en fait parce que le marché, il évolue, le monde va super vite. Donc, les choses vont super vite. Donc, les gens qui pensent qu'ils vont réussir juste en lisant que des livres, c'est pas possible. À moins que tu aies un mentor. Alors, si tu as un mentor ou tu as un ami qui a les résultats que toi tu veux, parce que des fois tu peux avoir des mentors, par exemple un gars qui est millionnaire dans le BTP, il ne va pas pouvoir t'aider, lui par exemple, à créer ton business en ligne si jamais ton objectif c'est de créer ton business en ligne. Il va pouvoir t'aider et te mentorer, te coacher comme tu veux si jamais toi tu veux aussi créer ton business dans le BTP. Ça, des fois les gens ils comprennent pas. Le gars par exemple qui réussit dans le BTP et qui est multimillionnaire, peut-être il va même pas croire que c'est possible de faire de l'argent ou de faire autant d'argent dans la création d'un business en ligne. Donc si jamais tu veux un mentor, déjà il faut que tu trouves un mentor qui a déjà les résultats que dans le marché ou dans le business que toi tu aimerais avoir ou dans la direction dans laquelle toi tu aimerais aller. Mais tout ça pour te dire que voilà, formation en ligne, c'est juste du comment. Donc faut arrêter de faire toute une histoire, toute une magie autour des formations en ligne. Ok, c'est le comment.
Ok, maintenant après, à toi d'investir aussi. Si jamais tu achètes des formations en ligne à 39 euros, c'est sûr que si jamais tu achètes des formations en truc à 100 euros ou je sais pas, 50, 70 euros, bah, c'est sûr qu'il y a moins de chances que tu aies le comment vraiment détaillé. Tu vois, moi par exemple, je vois le nombre de vidéos que j'ai dû tourner par exemple pour. Parce que dans mon accompagnement, en fait, ils ont acheté aussi un support en ligne où j'explique exactement toutes les stratégies à mettre en place. Le nombre de vidéos qu'il y a dans cette formation-là, par exemple, dans ce support en ligne-là, bah, c'est énorme. C'est un truc que je peux pas vendre 100 euros, c'est pas possible. À un moment donné, il faut arrêter, tu vois. Donc les gars, arrêtez de chercher des histoires de je sais pas quoi, formation in, c'est juste le comment, ok. Si tu veux faire, tu veux savoir comment investir en immobilier, eh ben on te le donne, voilà. Tu achètes le comment, ok. Après, à toi de charbonner et tu vas rembourser ton investissement. Moi, j'ai toujours remboursé mes investissements en formation en ligne et en coaching, ok. Donc tous les gens qui te disent le contraire, dis-leur c'est quoi leur résultat. Qu'est-ce que tu as déjà fait comme business? Quels sont tes résultats? Si jamais tu as lu que des livres, quels sont tes résultats? Qu'est-ce que tu as déjà mis en place? Et moi, viens pas me dire que moi j'ai fait aussi un business en dur aussi, ok. J'avais un truc de soins à domicile, un business de soins à domicile, ok. Donc faut pas me dire oui, ils vont que des formations en ligne. Je sais, je te dis, c'est la même chose, c'est les mêmes stratégies, c'est les mêmes trucs. Mais à un moment donné, tu as besoin de te former. T'as besoin de savoir, t'es obligé de devenir une nouvelle personne pour avoir de nouveaux résultats. Ok? Donc ça, c'était le livre, la formation en ligne. Ensuite, au niveau des mastermind, clairement, moi, je vais te dire, c'est plus pour le réseau pour moi, le mastermind. C'est pas un endroit où tu vas apprendre des choses. Tu vas apprendre des choses en communiquant, donc en réseautant avec les personnes. Mais c'est pas un endroit où, genre, tu vas apprendre comment créer ton business en ligne. Tu veux prendre ton business en ligne, prends, c'est l'étape d'au-dessus, prends un coach, un mentor. Et ça, c'est le truc que j'aurais fait dès le début si je le savais. Parce que ce que je te dis là, c'est d'expérience vécue, tu vois. J'ai commencé par lire des livres, j'ai commencé après à acheter des formations en ligne. Après, j'ai commencé à faire des séminaires, tu vois, séminaires. Séminaires, c'est pareil, hein. C'est plus du réseau, voilà. C'est du réseau aussi. En moins puissant, parce que les gens, tu les vois une fois comme ça. Mastermind, quand vous voyez plusieurs fois, bah, du coup, c'est un réseau encore plus puissant parce que tu crées des liens avec ces personnes-là. Ça peut aboutir sur des partenariats ou sur des amis. Tu vois, il y a des amis que j'ai rencontrés, par exemple, en mastermind. On a développé une amitié, du coup, bah, on est toujours resté en contact et on se voit régulièrement. Et du coup, après, moi, j'ai testé le coaching. Et là, le coaching, c'est ça qui va le plus vite parce que la personne, elle est là avec toi. Elle t'accompagne, tu vas forcément plus vite quoi en fait. Si je veux dire, c'est le mieux ça. Si jamais ton oncle il est multimillionnaire et que tu veux aller dans la même direction que lui, bah, tant mieux pour toi. Tu prends il te mentor gratuitement. Mais si jamais tu n'as pas, comme les gens comme moi je viens de la banlieue, je connais personne. Ben, j'ai tout ce que je connais, je l'ai acheté. Ah, excuse-moi. Alors, donc, les gens qui te disent « Oui, nous, on va faire autrement, machin. » Ben, fais-le alors. On va faire autrement. Ou lis que des livres à 20 euros. Ouais. On verra bien ce que ça donne. On verra bien. Toujours légal, c'est les résultats, les gars. Du concret, les gens peuvent parler. Donc tout ce que je viens de te dire, en gros, c'est juste des canaux qui te donnent de la connaissance. C'est juste ça en fait, c'est aussi simple que ça. Choisis le bon canal dont tu as besoin à chaque étape. Okay, si tu as besoin de réseauter, ben, fais un mastermind. Si tu as besoin de savoir le comment, ben, va acheter une formation en ligne. Si jamais tu n'as pas encore ton pourquoi, tu sais, tu crois pas vraiment que c'est possible de réussir ou des trucs comme ça, lis des livres. Et quand ton cerveau l'aura scruté, tu vas vraiment voir que ouais, non, là, il faut vraiment que je me bouge, c'est sûr, c'est vrai, c'est possible, on peut y arriver. Là, tu cherches le comment et tu choisis la filière que tu veux. Tu veux faire quoi? Vendre des business en ligne, tu veux investir dans l'immobilier, tu veux faire du trading, tu veux faire du dropshipping, choisis. Chiale pas, commence pas à dire oui, peut-être que oui, il y a une arnaque, il n'y a pas d'arnaque. C'est juste un comment, on te dit comment faire. Après, tu fais, c'est pas pour devenir riche. Après, oui, il y a des gens qui vont pouvoir devenir riches grâce à ça, mais il ne faut pas le voir comme ça. Il faut le voir comme un outil qui te permet de gagner du temps, de la connaissance qu'on te donne pour que tu puisses aller rapidement. Parce que sinon, de toi-même, tu ne vas pas savoir. Sinon, tu vas perdre du temps. Tu vas aller chercher pendant 2 ans, 3 ans. Tous ceux qui regardent des vidéos YouTube gratuitement, à un moment donné, bah, ils achètent la formation et ils disent « putain, j'ai perdu du temps ». Ok ? Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai fait le tour. C'est ce dont je voulais te parler par rapport à ça. Ouais, voilà, c'est ça. Après, si jamais il y en a, parce qu'il y en a qui vont me dire « ouais, mais j'ai pas d'argent et tout », bah, commence par des livres. Commence par des livres, c'est sûr. Et après, travaille à côté, fais un deuxième travail, économise. Vous vous rendez pas compte des avantages. Si vous avez une bonne formation et un bon accompagnement, tu te rends pas compte en fait du temps que tu gagnes en fait. Et le temps, c'est la valeur la plus précieuse. Bref, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Mets-moi un j'aime, mets-moi un j'aime pas parce que tu penses que tu peux être millionnaire en lisant que des livres. Montre-moi ça, ok? Si tu peux le faire, moi je t'interview sur ma chaîne, boum, il n'y a aucun problème. Je dis, ah ben, tu avais raison. Je dirais, tu avais raison, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème, contacte-moi. Et je pense que c'est tout. Maintenant, si jamais tu veux aller plus loin, bah, tu as ma formation offerte. Donc déjà, tu peux commencer comme ça. Formation offerte où je te montre exactement comment créer ton business en ligne. Tu as suffisamment déjà pour pouvoir commencer à avoir des résultats, ok? Et si jamais tu es coach, expert, consultant, tu as la masterclass où je te montre exactement comment mes coachés ont fait pour atteindre les 5 à 6 chiffres par mois rapidement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Je pense qu'à un moment donné, il y a eux et il y a nous.
Donc choisis ton camp. Ou sinon tu continues à chialer, à dire oui, les gens nous arnaquent, j'en sais rien, c'est surcoté, bah.